Hi, I'm Freddy Fazbear, and welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Enjoy games, pizza, family fun, and more. Come on down for our grand reopening on May 13th. 2-for-1 pizza, and the best animatronic musical performance that you'll ever see. Kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. One had a mouse, the other had none, and that's the way the quarrel begun. Make sure you come to Freddy Fazbear's Pizzeria, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Freddy Fazbear's Pizzeria, located off I-70 between the Sizzler and Coats in the Chattanooga Shopping Center. Come on down. Le bordel, c'est quoi ça? Ouais, puis merde, c'est à moi de ranger. Allez, quoi? Bon, alors, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Un truc là, ah non, c'est rien. Alors, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Allez. Sérieusement, hein, qu'est-ce qui peut se passer? Je suis au KLM, je suis payé au calme, je suis payé, voilà, pour garder un endroit où il y a des enfants. Voilà, genre, non mais, qui n'aime pas les enfants, sérieusement? Et en plus, là, la nuit, putain, mais... Ceux qui croient en fantôme, faut grandir. Je m'emmerde. Oh. Allez, heureusement qu'il y a une Xbox. Allez. Heureusement que j'ai amené la dose. Allez, tickle off. Pour une fois que j'ai le temps, allez. Alors. Ok, LM, voilà. Oh bah voilà. Oh putain, lance-roquette, j'avais pas vu. Merde, c'est quoi ce bordel? Il y a une coupure de courant, quoi. Non? Non? Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, j'ai une lampe torche. Attendez. J'ai une lampe torche. Ah ah, c'est quoi ce bordel? Putain, merde. Putain, ma tête. Mais c'est quoi ce bordel? J'essaye de rallumer les lumières. Oh. 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 J'ai eu peur, mais... C'est quoi ça? Ah, je vois tout. Oh. Putain, c'était quoi ça? C'était une coupure de courant. Et c'est quoi, Screamer? C'était quoi cette tête? Bordel. Ah. Oh, putain. Mais putain, bordel. Merde. Ok. Déjà, la partie jeu, c'est fini pour aujourd'hui. Ok, on a fini de jouer. Maintenant, on déconne plus, quoi. Ok.
remettre ses esprits. Il n'y a personne. Ok, on restaure la caméra. Tiens. Tiens, attends, il y a une nouvelle caméra d'Astras qui m'a dit le patron. Ah ouais. D'accord. Bon, je pense pas que la caméra soit devant en plein milieu de la salle parce que c'est un petit peu encombrant. D'accord. Par contre, je savais pas qu'on pouvait faire des zooms avec les caméras de surveillance. Enfin, je voyais ça dans les films, mais bon, en vrai. Bon, bah, on n'a plus qu'à faire comme d'habitude. Et merde. Oh, bordel de... Non. Merde. Mais non, c'est qu'un jouet pour Gomes. Mais le tiroir. Merde, pourquoi je suis couché? Ok. Ok. Maintenant, un autre jouet. Putain, il se passe des trucs glauques. Ah, mais au fait, il est 6h. Allez. C'est parti. Bonjour les enfants. Allez. Alors, j'espère que... C'est quoi ce bordel? C'est une limite. Oh putain, c'est sûrement un enfant qui a oublié. Bon, allez. Allez. Parti Call of Duty. Il joue Call of Duty. J'avais déposé hier, bordel. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, bah, tant pis, on est à Xbox, hein. Allez, arrêtez la contrôle. Allez, allons, voyons voir. On va aller sur... c'est quoi encore? C'est... Sid avait joué. Merde. Où est-ce qu'il est, portant de merde?
characters will live on. And with attendance at an all-time low, the company is projected to close its doors by year's end. Though our news team reached out to William Afton, he declined to make any comments regarding the company's situation at this time. Stacy. Thank you, Dylan. Allô? Oui, c'est moi en personne. Qui est-ce? D'accord, vous êtes là pour postuler en tant que gardien de nuit? J'ai Freddy Fazbear Pizza, c'est ça. Bah écoutez, pour l'instant nous avions eu aucun appel pour ce boulot, donc vous êtes le premier. D'accord. Je dois vous dire quelques petites choses pour que vous sachiez dans quoi vous embarquez. En fait, un des propriétaires de la branche de restaurant Freddy Fazbear Pizza, oui, de la Fazbear Entertainment, a décidé de réouvrir ce restaurant pour le faire connaître à la nouvelle génération. Et nous avons eu quelques membres du personnel qui se plaignaient que certaines choses bougeaient de quelques centimètres, se retrouvaient à d'autres endroits le lendemain, et ils pensaient que c'était du vandalisme. Et c'est pour ça que j'ai mis cette annonce dans le journal. Et vous avez appelé. Très bien. Nous allons essayer de trouver. Nous allons trouver une date. Votre adresse, s'il vous plaît. Très bien. Je vous rappelle un autre jour. Demain, peut-être, pour voir si on peut trouver une date pour un entretien. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Ce travail, c'est un jeu d'enfant. Très bien. Au revoir, au revoir. Dernières images qui nous restent. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides, mec. J'ai peur. Bah écoute, tu sais quoi, je vais vraiment t'aider là, parce que j'ai l'impression vraiment que t'as peur et ce que j'ai vu là, c'est vraiment effrayant. Donc je vais t'aider, mon pote. T'inquiète pas. Non. Y a pas d'entrée.
après par ici, ça roule. On arrive là. Tiens. La voilà. Un bâtiment mis sous surveillance. Eh ben. Eh ben. Toi, t'as une lampe torche? Ouais, normalement. Là. Ok. Oh putain. C'est à qui cette caméra? C'est à moi. Comment tu sais que c'est une caméra? Putain, t'as l'œil du tigre, toi. Non, j'ai juste pris cette caméra. Voilà. Pour. Ouais, je sais, une caméra studio. Putain, je sais absolument pas, je vois absolument rien. Ok, mec, c'est bon? Ok. Oh putain. Les caméras. Ok. Tu as réussi à trouver? Caméra? Je vais tenter de retrouver. Bouge pas. Ok, mec, parce que là, on voit absolument rien. Attends, mec. Est-ce que ça marche la lampe torche? Ouais, c'est bon, ça marche. Oh putain, on voit mieux du coup. Ok. Putain, c'est méga flip. Putain, mec, c'est méga flippant quoi. T'as vu ce prix? Non. Quoi? Oh putain. Mec, t'as trouvé les caméras? Ouais. Et franchement, je vois quelque chose de pas très cool. Puis, je sais même pas, regarde. J'ai pris ça. Quoi? J'ai pris ça. C'est jamais y a besoin. Ok. Bon, ça vient. Oh putain. Non. On va aller dans la cave. Apparemment, ça vient de la cave. Oh putain, mec. Je te conseille vraiment pas. Attends, mec. Attends. Je te conseille vraiment pas d'y aller, mais si c'est comme ça, allons-y. Ok, on y est. Oh putain. Putain, mec, je tremble de peur, mec. Ça va? Non. Putain. C'est quoi ce bruit? Je tremble de peur, mec. Écoute. Ouais, moi, j'y vais. Ouais. Attends. On ira après, ok? Ok, putain. Oh! Oh putain! Il y a au moins ça qui marche. Oh là là. Ah bah putain. En tout cas, c'est vieux ça. Hein. Vieux comme le monde. Allez, ouais. Allume le PC, ok? Ok, ça va? Oh putain, t'as vu la cave, c'est méga flippant. Ça va? Attends, j'ai un truc là. Attends. Je vais peut-être. Attends. C'est quoi ça? C'est la boîte à musique? Je crois, ouais. Mais qui c'est? Elle est pas censée être dans la cave. Putain. Merde. Tiens, comment on fait pour arrêter ça? C'est qu'une boîte à musique. Laisse. Putain. Ok. Bon. Ça va? On est bloqué ici. Pour je ne sais combien de temps. En même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi? C'est. Il y a n'importe qui peut être là. Des voleurs, des. C'est une pizzeria. Qu'est-ce que tu veux que les voleurs ils volent des pizzas? T'as de le sens de l'humour, toi. C'est pour ça qu'on était potes en collège. Ça me fait plus que cette musique. Ouais. Moi, ça me fait plutôt pleurer. Et d'où tu vas sur Google? Écoute, je vais chercher. Tu cherches quoi? S'en sortir. Tu crois vraiment qu'ils auraient la solution? Au moins chercher quelque chose. C'est encore un miracle que t'as du réseau. Putain, le gars là, il devait en baver. Celui qui devait être sur la télé. Je te rends compte qu'il y a quelque chose qui l'a. Il y a quelque chose qui l'a entre guillemets tué, on va dire, parce que. T'es sûr qu'il est mort? Je te rappelle qu'on a trouvé le cadavre. Quoi? Non. Non. Non, non. 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 Écoute, panique pas. Non, mais c'est une blague! On sait même pas s'il y a quelque chose.
La boîte à musique s'est finalement arrêtée. Ah putain. Mais c'est une blague là. Je rêve, attends, on va tous crever. Non mais franchement, moi j'ai personne qui me veut du mal quoi. J'ai que des amis moi, putain. Est-ce que t'as quelqu'un qui a déjà voulu te tuer toi? Essaye de regarder là-haut là. Quoi, là-haut sur la télé? Putain mec. Une Xbox, ça c'est le meilleur. Oh, putain. Lampe torche, c'est bon. J'ai tout à l'avance, c'est bon de toute façon. Ok, j'ai la télé. D'accord. Quoi? La lumière. Putain. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, mec. On a plus de lumière. C'est pas qu'on a plus de lumière. On a encore ça. On a encore la vieille télé. Ok. Aucun signal, mais putain. Putain, c'est con, ils... Merde! Ils auraient pas pu laisser brancher les caméras? Non mec, c'est... Putain, on va crever, mec! Mais mec, pète, putain! Bon, écoute, mec, t'as un pied, t'as une sorte de pied de biche, tu t'en sers, ok? Tu lui défonces sa gueule! Moi, j'en ai rien à foutre, je veux pas crever ici, bordel! Calme-toi. Ouais, t'as raison. J'ai encore oublié de prendre mes comprimés ce matin. Ok? C'est bon. T'es sûr qu'il y a quelqu'un? T'as vu quoi? Une ombre. Une ombre. Il y a quelqu'un. Putain. On t'a pas donné quelque chose? Quoi? T'es un garde de nuit, il y a sûrement quelque chose pour te défendre. Et je sais pas. Ah oui! C'est vrai. Mais quel est le con, bordel! C'est vrai, j'ai un flingue, mais... Garde-le. Mais quel est le... Mets-le dans ta poche, garde-le. Ok. Utilise-le en dernier recours. Mais quel est le con! Regarde, ça c'est qu'un jouet, bordel! C'est un jouet pour jouer aux flics, là! Putain! Quel est le con qui... Ah, mais c'est vrai! À chaque... Avant l'ouverture, on l'enlève. Je te rappelle que c'est une pizzeria pour gamin. Ouais. Pour gamin. Avec des flingues, ouais. C'est pour faire quoi, les flingues? Retiens. Et casse-lui la gueule. Attends. Oh, putain. Putain, ça y est, mec, on va tous crever. C'est bon, c'est fini. Fais tes prières, on va tous crever. C'est quoi? Non, mais j'y crois pas. C'est qu'un jouet. C'est un putain de jouet en bois, c'est tout! Putain! Oh mec! 6h du mat! Bon mec, écoute! Ouais, vas-y! Ok, alors écoute-moi. Ce qui s'est passé cette nuit, c'était vraiment flippant. Mais dis-moi, c'est. L'ombre que j'ai vue, c'était pas l'ombre d'un humain. Quoi? C'est bien il y a bien des animatroniques qui ont été laissés à l'abandon dans cette pizzeria. Ben oui, oui. Allez, arrête, calme-toi. Arrête de bouger, tu commences à stresser, s'il te plaît. Où sont stockés les animatroniques? Juste à côté de toi. Très bien. Et vous en avez pas une de spéciale qui est stockée dans un endroit? Fredbear, par exemple? Fredbear est stocké ici. C'est la seule place. Le seul endroit où il y avait de la place. N'approchez pas trop. Vous pouvez toucher à n'importe quel endroit, vous vous griffez. Je me suis encore coupé hier. Quand j'ai essayé de le déplacer. Hein? Ouais. Oh putain. Plein de mucus dans les yeux.
Regardez ça. Ah, là, il y en a même dans la lentille et l'autre et l'œil gauche. Ça encore, c'est frais de bière. Vous avez pas vu les autres? Enfin, t'as pas vu les autres. Excuse-moi, je te vous vois, putain. Ça se passe mal en ce moment de ma vie. Alors? Laisse-moi. Attends. Allons-y. Mec, je pars en excursion dans la cave. D'accord. Ouais, d'accord. Moi, j'ose pas y aller. Écoute, tu sais quoi, je vais rester ici pour te surveiller grâce aux caméras. D'accord. Allez. Bonne chance. Merci. Ok, c'est parti. Allez. On prend notre sang-froid. Oh putain. Évidemment, la porte est fermée. Oh putain. C'est glauque. Oh la vache. Oh putain. Oh putain. Ok. Putain. En tout cas, au niveau des poissons, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Putain, des produits, des lingeries. Oh. La chaufferie. C'est la chaufferie. Oh putain. Elle a bien changé. Mais comment ils ont pu se payer tout ça? Attendez. Putain. Quand je pense qu'avant, la chaufferie de pauvre qu'ils avaient avant. Oh putain. Oh putain. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Bordel, un aquarium. Oh putain! Oh putain! Putain! Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Dans la cave. Ça doit pas faire grand chose, mais au moins serre-toi-en pour te défendre. Ça voit que t'as jamais tiré. J'ai trouvé une petite arme. Hein. Et sinon, quoi de neuf? Pour l'instant, sur les caméras, j'ai juste vu des ombres et des petits bruits. Donc, vraiment, mec, écoute, tu vas me prendre pour un fou, mec. Écoute, j'ai traversé toute la cave, toute, en entier. Mec, écoute-moi, bordel. J'ai traversé toute la cave en entier. J'ai été au fond de la cave, jusqu'au fond. C'est là où sont stockés les animatroniques, non? Oui. Écoute, mec, j'ai vu, toi comme toi aussi, une ombre. Mais elle n'était pas comme les autres. Cette ombre, elle était beaucoup plus effrayante. Car on voyait ses yeux, sa bouche et son nez. Tu veux savoir qu'est-ce que c'était?
Non, tu peux pas le savoir? Si. Je vais te donner un indice. Ça ressemble à un lapin. Un lapin? À moitié dévoré. Tu trembles, mec. Mec, tu trembles là, qu'est-ce qui va pas? Ça veut dire que l'ombre sur les caméras que j'ai vues. Mec, apparemment, je sais pas, j'ai entendu une vague histoire qui vont changer de modèle ou quoi. Il est où mon pied? Ton pied quoi? Mon pied de biche. Ton pied de biche, il est là. Il est là, il est là. Écoute. Il part en excursion dans la cave, je te suis par là. Alors non, écoute. Cette ombre, elle a essayé de me poursuivre. Alors si. Alors écoute, j'ai pas envie de crever, j'ai pas envie de me laisser mon ami ici. Et après, et en plus après. Putain. C'est des ombres. Tu crois que ça fait quelque chose? C'est des ombres, t'es sûr? Il a la forme d'un lapin. C'est un animatronique, non? Vous avez pas un lapin à moitié déchiqueté dans le, genre, comme animatronique? Un vieux? Oui. Oui. Et bordel! Putain. Bon, écoute, mec, je dois te dire quelque chose. C'est moi qui l'ai mis là. C'est moi qui l'ai mis là. C'est moi qui ai mis dans la cave les anciens monnaies et les modèles. Enfin, pas moi tout seul, aidé par quelques groupes du personnel, mais... J'aurais jamais voulu que tu sèches. Mais... Je suis un peu coupable. Ça ressemble pas à ça, notre quoi? Animatronique. Oh putain. Comment est-ce que t'as trouvé ça? Putain, je me souviens encore quand il avait perdu son masque. Et d'où t'as trouvé ça? D'où t'as trouvé ça? Les archives? Oui. Pendant que t'étais pas là, j'ai piraté le site. Oh là 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 là. Oh putain. Quoi? Pas que ça. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. J'espère que c'est ton système, parce que si c'est autre chose, je me flingue, tu entends? Regarde ce qui nous attend. Oh la merde. Mais comment tu sais ça? Attends, et quel est l'intérêt du patron de faire des photos des anciens et pas des nouveaux? Tout simplement pour, si jamais il a besoin, les rénover. Les rénover, mais mon cul, ouais. C'est que de la carcasse, ok? De la carcasse, de la merde, ok? Mais t'es sérieux? Mais t'es pas sérieux, putain! Tu veux dire qu'il y a ça dans la cave? Tu veux dire que j'ai failli me faire arracher dans la tête parce que... Par ça? Mais attends, mais... Qu'est-ce qu'on attend pour fuir, putain? T'as un pied de biche, tu peux casser la fenêtre, autant. On est bloqué. Ah bon? Viens. Attends. Attends, donne-moi juste ton pied de biche. Attends, je vais la foutre en l'air, cette fenêtre. Mais il est où, ton pied de biche? Il est là, là. Attends. Même si tu parviens à casser la fenêtre, je te rappelle qu'il y a les barreaux derrière. Putain! Regarde ce que... Mais merde! Celle-là, je m'en souviens! Ah, celle-là, je m'en souviens, hein! Hey, elle s'appelait Chica, non? C'est comme ça? C'est ça, non? Je suis pas sûr de ce qui se trame là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas décidé de trouver. Tu flippes trop, mec. Je te rappelle que j'ai déjà un problème au niveau des nerfs. Et ce putain de neurologue qui me fait passer que dans un mois. Qu'est-ce qu'on fait? Mec, attends. Mec, qu'est-ce que tu fais? On va s'en occuper. Mec, je te rappelle que
Écoute, mec, tu tires sur des robots. Mais ça ne sert à rien, bordel. Et ça? Ça, par contre, si. Mais... T'entends? Oh, putain. C'est quoi, ça? Ok, je t'éclaire. T'en fais pas, je t'éclaire. Ça sert à rien, putain. Regarde la porte. Bon, je m'en fous, je sens prêt. De toute façon, ça, ça me transperce même les tissus humains. Même les gilets pare-balles. Oh putain. Non mais mec, sans déconner. Sans déconner, sérieusement. Putain. C'est ta respiration, ça? Mec, écoute. Je sais que c'est flippant, tout ça, mais apparemment, il y avait une histoire sordide. Il y a... Putain. Allez, mec, on y va. Ok. Vas-y, moi, je vais te suivre via les cams. Ouais, bah, allume déjà le truc, hein, parce que sinon... Thank you.
putain, mais qu'est-ce que tu foutais? Je te voyais plus sur les caméras. Hé, hey, je te parle. Regarde les caméras. Quoi? Regarde les caméras tout de suite. Merde, c'est pire que ce que je craignais. Ça va, t'es pas blessé? Non, non, ça va, mais dis-moi, Barry, t'as rien vu de suspect au moins? Non, à part un bruit que j'ai déclenché sans faire exprès. Et sur les caméras? Bah, à part ce que tu viens de me montrer, mais en même temps, il faut aussi que les caméras marchent, regarde ça. Tu vois, c'est comme si quelqu'un les avait débranchées. Mmh. Donc tu ne peux pas me surveiller? Non, à part l'entrée, c'est tout. Ouais, donc c'est trop dangereux d'y retourner, en gros. Ouais, on va rester ici pour l'instant, d'accord? Ok. Dis-moi, Barry. Il est quelle heure? Putain, 6h du mat. Attends. Bon mec, maintenant ça suffit. Ça suffit, j'en ai marre. Parce que... Non, putain. Ça suffit, maintenant j'en ai marre. On va pas rester encore 3 nuits. Là, c'est la fin de la seconde nuit, mec. Mais écoute, je vais bien te dire une chose, mec. Je vais bien te dire une chose. On restera pas bloqué sur un ordi. Non, moi je dis, faut y aller le jour. Parce qu'apparemment, les animatroniques, ils en vont que la nuit, ok? C'est apparemment ça le problème. Est-ce que tu te souviens de celle que je viens de te montrer, la Foxy, là, je crois? Oui. Quoi? Ils, nous, ils l'ont cachée. Où ça? Oh les fils de... Non, surtout pas. Condamne la porte. Putain. Et comment je fais, hein? J'ai pas de planche de bois, j'ai rien. Y'a la clé? La clé? Mais c'est fermé. C'est bon, c'est déjà fermé. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Hein? Tu fais quoi? J'essaye de nous sortir de cette mauvaise passe. Cette nuit. Ah bon? Ouais. Cette nuit, on va prendre nos couilles à deux mains et on y va. Dans la cave. Allez. Cette nuit, tu vas aller dans la cave. Compris? Oui. Et moi, je vais vérifier par les caméras. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut. Ah putain. C'est vrai qu'avec toutes les averses qu'il y a... Ah putain. Matza. Quoi? Ah putain. Putain, on peut plus sortir alors. Bon. Matt. Ah la vache. Bon. Putain, mais mec, ferme ces putains de volets. Non, attends, laisse-moi faire. Bon, ok, le temps qu'il fasse pas nuit, il faut qu'on discute de ça. Faut qu'on y réfléchisse. Ces putains d'animatroniques, décidément. Alors, parlons-en. Hein? Ouais. On les défonce. Tu les défonces, tu dis ça, mais bon. Putain. Tu fais pas très beau, déjà. Ouais. Oh, merde. Ouais. Tant qu'on est dans la chambre, et tant qu'il fait jour, et tant qu'on a de la lumière, surtout, ça ira.
En tout cas, faut économiser la lumière. Parce qu'écoute, ils ont un taux de recharge limité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout dans le courant. Ok ? Il y a un gars qui m'a appelé. Enfin, quelques jours avant qu'on aille ici. Il m'a donné tous les conseils que je pouvais avoir. Premier conseil, c'est ce que je viens de te dire, économiser le courant. Ensuite, deuxième conseil, faire le moins possible d'expédition. Tu vois, ton truc d'expédition, déjà ça c'était une connerie à faire. J'ai risqué ma vie et on le refera plus. En tout cas, on se le refera, mais armé, mais étant armé. Et cette fois-ci, tu... Mec, tu dois surmonter ta peur. Regarde, regarde, putain. Il fait nuit, il fait bientôt nuit et... On a presque plus courant, bah, apparemment. Qu'est-ce que t'as à dire, mec? Hey, mec! Mec! Mec, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Eh, hey, moi je reviens pas, c'est dans la merde. Oh putain, tu vas me laisser dans la merde alors? Attends. C'est ton job, je vais pas risquer ma vie. Putain. T'as dit que tu m'aidais? Ouais, mais j'ai changé d'avis. Y'a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et moi je fais quoi? Je vais crever? J'ai qu'à crever en enfer? Je sais quoi? Je sais pas. Putain, mais... Mais mec! Putain! Je risquerai pas ma vie! Attends! Attends! Attends, écoute! Écoute! Mais mec! D'accord. Tu fais ce que tu veux. Je veux juste te dire adieu. C'était un honneur de t'avoir rencontré. Hey, ciao.
putain. Mec ? Oh, oh ! T'es là ? Putain. Comment on s'est engueulé là-dedans ? Oh, oh ! Mec ? T'es là ? Putain ! J'aurais pas dû m'engueuler avec lui. Voilà. Putain, mais oh là là. Mec ? Non. Non plus. Putain. Mec, c'est bon. Mais mec, c'est... Putain. Mec, c'est bon, c'est plus la peine d'en parler. Oh. C'est réglé, cette histoire, c'est bon, mec. Allez, montre-toi. Oh, putain. Putain, mec, mais c'est bon, regarde, j'ai même la tenue, voilà, quoi. La tenue décompressée, là, quoi. Putain, mais mec, non. Putain, fermé. Putain, mais me dis pas qu'il est parti, quoi. Oh là là. Putain, bon. C'est pas grave. Autant fouiller ce qu'il y a dans sa cave pour voir s'il est préparé pas quelque chose. Putain, il y a des bruits. Il est pas censé être parti, bon. Oh putain. Putain la vache. Et en tout cas elle est vachement beau ça. C'est quoi ces bruits? Mais putain mais c'est quoi ces... Oh putain. Oh putain. Y'a rien là. Y'a rien. Putain on voit que du noir. Putain. Oh putain, mais putain, c'est quoi ça, putain? Ok. Oh la vache, putain. Heureusement qu'il fait jour encore. Putain, je dis pas que, comment on va galérer cette nuit. Oh la vache, putain. Non, cette fois-ci, y'a rien. Ni. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Mais c'est quoi ce bordel? Personne dehors. Ok, il n'y a plus que cette salle qu'on n'a pas vérifiée. Oh merde. C'est quoi ça? Merde. Putain, merde, me dis pas que non. Non, 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 non. Mec. Mec, reviens à toi, putain, merde. Putain. Ok, putain. Pas de téléphone, merde, putain. Mec, mec, reste avec moi. Reste avec moi, bordel. Putain.
voir ces animaux. Oui, allô, service Freddy Fazbear Pizza, bonjour. Bonjour, c'est monsieur le commissaire à l'appareil. Ah, d'accord. Écoutez, monsieur, je sais que j'ai été très imprécis et très mystérieux dans mes propos tout à l'heure, mais je suis quand même un peu choqué, quoi. Il y a mon ami qui vient de mourir. Bah, écoutez, monsieur, je viens vous croire, mais pour l'instant, vous êtes vraiment le suspect numéro 1 de ce numéro d'acteur. On n'a même pas encore découvert comment est mort votre ami, du coup. C'est bien de vous croire. Sinon, monsieur, j'ai pas très bien compris vos propos tout à l'heure. Vous pouvez me redire monsieur, clairement. Je vous ai dit qu'on s'était disputé et qu'ensuite, on s'était disputé, il est rentré chez lui, bref. Et puis moi, bah, je suis rentré chez moi. Et 2 heures après, je suis revenu et puis. Je suis revenu chez lui pour m'excuser et puis. Il était mort. Écoutez, monsieur, je sais, c'est très peu crédible, je le sais, mais il faut que vous me croyez. Il me faut. De toute façon, pour l'instant, on ne peut rien faire. On sait juste qu'il n'y a pas eu de strangulation ni d'hémorragie. Ouais. Bon, monsieur, contactez-moi si vous avez quelques preuves ou si vous avez des éléments qui pourraient perturber. Par contre, monsieur, il va falloir que je vienne sur votre lieu de travail pour vous poser quelques questions. D'accord, vous viendrez sur place. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Bon, je vais me mettre dans le tenu et je vais l'attendre. C'est quoi ce bordel ?
partir. Mais y a rien. C'est la police. Ouais, vous venez pour les pour le crime qu'il y a ici. Venez, je venez, entrez. Nous avons une victime donc. Oui. Suivez-moi, je vais parler ici. Monsieur. Guy, je suis Guy. Non. Pourquoi vous venez tous les matins? Pour voir si vous avez survécu. Vous êtes sous ma responsabilité, je vous rappelle. Je ne suis sous la responsabilité de personne. C'est moi qui ai commencé à mener cette enquête. Vous n'êtes qu'arrivé qu'après. Aude. Et puis, puis-je connaître votre nom de code? Nom de code? Il me semble que c'est Pardon. Voilà, c'est ça. Vous me connaissiez donc? Oui, j'ai déjà entendu parler de vos exploits en termes de police. Vous avez vous avez vous étiez un très bon agent de police. Oui. Oh. Pas reconnu. Non, monsieur Guy. Monsieur Guy. Dis donc, vous avez trouvé ma véritable identité. Vous allez payer maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Go! Baissez votre arme! Allez-y, tuez, tirez, ma vie est foutue! Venez par là, vous! Oh! Je sais comment vous vous appelez, vous êtes le Purple Guy! Levez-vous! Oh! Un truc de crime! Allez-y, tuez-moi, tirez! Ma vie n'a plus aucun sens! Alors fais tes prières, Purple Guy! Baisse ton arme. J'aurais fait au moins une victime. Oh. Oh, vous êtes qui vous? George Hardy. Ok, vous êtes de la police j'espère, parce que sinon il n'y a que ces gens-là qui ont le droit d'entrer. Oui. Vous êtes venu pourquoi? Je vous rappelle que c'est un bureau privé et que je suis le garde de nuit. Et je dois vérifier que personne ne s'introduise. Et aussi, comment vous êtes rentré? J'ai les clés. Vous avez les clés. Et vous êtes vachement un bon gardien, hein, à dormir là-bas, je trouve ça normal. Oui. Oh, vous savez, moi je dors même plus les nuits. Et puis, en même temps, avec ce qui se passe... Hein? Ouais, vous avez pas entendu parler de ce qui s'est passé là-bas? Si, si. Un meurtre. Plusieurs meurtres, apparemment. Ah. Ça se voit, vous avez pas bossé sur le dossier. Peut-être que vous avez des collègues, mais bon. Si, si, mais j'attends de voir votre version des choses. Ma version des choses? Moi, je dis qu'il y a des marionnettes géantes qui bougent la nuit. Je sais pas comment ça se peut, parce qu'ils sont hors tension, normalement, la nuit. Je sais que vous me croirez pas. Non. Et je viens du commissariat national. Oui, je sais. J'ai eu votre chef. Je suppose qu'il n'était pas disponible, non? Non. Non, il était en rendez-vous avec sa femme. D'accord. Bon. Il y a déjà un garde qui est décédé ici. Et on ne sait pas comment. On n'a pas retrouvé le corps. Il était sur la télé là, il surveillait les caméras là. Apparemment, il y a quelqu'un qui a débranché les caméras là. Alors, je suis parti en expédition, si on peut dire, dans la cave. Je sais pas qu'est-ce qui se trame là en bas, mais en tout cas, j'ai vu des choses pas belles à voir. Oui, oui. Mais vous me croyez pas? Eh ben allez-y dans la cave, allez-y. D'accord.
Il dit que c'est hanté par des marionnettes. On va voir ça. À part ça, je ne verrai pas ce qui pourrait faire plus peur. Une voiture, tout ce qui est plus normal. Marche pour babon. Les cornichons. Ouais, ça a l'air d'être bon. La lumière d'extérieur, ça va. C'est bon. Tout ce qu'il y a de plus normal dans un garage, je trouve. Les outils, ouais. Outils de réparage des robots de la pizzeria. Toilette. En plus que les piles commencent à mourir. Le sang. Mais je suis dans. Oh que je suis dans. Je suis en merde. Bordel. Oh merde. Alors, toujours pas convaincu? C'est con. Ils ont enfin enlevé ces putains d'armes. Ils ont remplacé par des jouets. Ouais, bon. Évidemment, c'est des jouets, ça fait mal à personne. Déjà, premièrement, je vais faire une chose. Attends. Ah merde! Il doit être au fond, bordel. Oh, c'est pas vrai, merde! Putain! Oh putain! C'est quoi ce... Déjà, ça, c'est droit comme ça. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de ça. Merde, je meurs dessus. Celui-là.
celui-là, il va dehors, ensuite... Bon. Allez, tu vas marcher, toi? Allez. Ah, bon, merde. Bon, tiens. On éteint ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Kraft est mort? Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, Kraft est mort? Je suis dans la merde. Ouvert. Ah! Putain, bon. Au moins il est plus devant chez moi. Ça c'est déjà bien. Oh. Il est environ. Il va être 10h. Il est même pas minuit, putain. En attendant, on va rester là. Il est quelle heure? Ah bah il est minuit. Ah putain, tu sais quoi? Je m'endors sur mon PC, quoi. Demain j'irai chez le coiffeur. Tu sais quoi? On va dormir un peu. Ah. Putain, ça fait 2 jours que je dors plus, c'est bon. Ah, il fait tellement chaud, on a plus de besoin. Bonne nuit, putain d'animatronique. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Attends. Hein? Un téléphone? C'est quoi ce bordel? Attends, je vais aller me pisser. Hé, quelle heure? Hein? Quoi? Hein? Téléphone, mais qu'est-ce que ça fout là? Allô? Bonjour. Ah, c'est vous. Oui, mais qu'est-ce que vous foutez à une heure pareille? Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci? J'ai oublié de vous dire que la chaîne IFI à côté de vous est reliée à tous les enregistreurs du restaurant. Donc, vous pourrez écouter s'il y a quelque chose de suspect. C'est pour ça que j'ai entendu la boîte à musique. Elle était bien dans la cave. Bon, c'est juste un truc, une musique que j'ai entendue, mais vous en faites pas pour ça. Et sinon? Ah, et aussi... Il se trouve que pendant la nuit, des fois les salles de la pizzeria sont mal ventilées, donc il arrivera que des fois... Oui, d'accord, bon, écoutez monsieur, je vous rappelle, d'accord? Oui, merci, au revoir. Bon, bah on va reposer ce téléphone et rééteindre la lumière. Là. Ensuite. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, tu peux rien faire, hein? Parce que c'est le jour, mais la nuit? Allez, dégage. Bon, ok. Ok, j'ai jamais été là-haut. Oula, il fait dark. Ok. On voit quelque chose, ouais. Ok. Là, déjà, il y a les lumières. Et là, la porte est ouverte.
Il y a rien. Putain. C'est bon. Putain, c'est le jour. Putain. Ok, bon. Ok, on verra une autre fois. Je laisse ouvert. Et là. Fermé. Et pourtant, il y a de la lumière qui passe. Intéressant, le tableau. Ah la vache, putain. Ah. Allez, viens. Bordel. Prends tes clés. Bon. On va voir si ça servira peut-être. Maintenant, j'arrête les conneries. Je m'en fous. Faut quand même que je me défende, merde. Déjà, ça je le pose là, voilà, je prends pas de risque. Et le flingue je garde sur moi, ou au pire. Mais non, on va le poser là. Bon, j'ai acheté ce portable récemment, il devrait me servir. Bon. En attendant, il va voir la caméra. Putain, je suis déjà crevé d'avance. Faut que je dorme plus ces derniers temps. Je dors pas beaucoup. D'accord. Je vais dormir un peu. C'est à ce moment-là qu'il y a une coupure de courant. Allez, je vais. Allez, marche! Portail de merde, il est plus là. Oh putain de merde. Oh, flashlight est pourri. Merde. Putain, voilà, ça va beaucoup mieux là. Putain, le courant marche pourtant. Non. C'est bizarre, tout a l'air normal cette nuit.
sais que ça va pas tarder. Putain, c'est fou comme j'ai soif, mais c'est bon, je peux le retenir sur moi. J'ai peut-être soif, mais ouais. Mon instinct, ma survie en dépend. Putain, je me sens pas bien. Mais il l'a vidé en plus, les salles sont mal ventilées. Oh putain. Oh non, tu vas pas recommencer, toi. Oh. Oh putain de merde, saloperie. Toi aussi, je m'en fous. Merde! Non, le PC, rallume-toi. Putain. Ok. Je m'en fous. Mais là. Et le prochain qui approche, je lui mets une grosse balle. Bon, ok. On va éteindre le PC. On va utiliser la flashlight. Ok. Ouais, puis merde, va te faire foutre. Allez. Passe rien. Tranquille. Oh merde, qui a... Oui, passez ma lampe. Oh putain. Putain. J'ai encore dormi au boulot. Bientôt le patron il va me virer. Bon, allons-y. J'ai un nouveau message. C'est quoi? Allô, allô, bonjour, je tenais à vous féliciter pour avoir passé vos nuits. Et pour cette nuit, je prendrai à votre place. Oh non. Oh non. De quand ce message? Hier, 5h30. Bordel de merde.
ça. C'est vachement calme ici quand même. Faut y aller. Ok, demain tout ce bordel sera terminé. D'accord. Ah, pièce. Quoi ? Écrit quoi ? Pièce interdite à tout public pour des raisons de problèmes de ventilation. Ok, on va voir ça. Putain. Bon, parti. Ouais, ils ont rien changé. Ils ont enlevé quelques trucs. Bon, eh bien on va aller dans... On va aller voir en haut. Ok, c'est parti. On va mieux comme ça quand même. C'est parti. Bon, alors on va voir les clés que j'ai eues. Alors est-ce qu'il paraît... Yes ! Ouais.
Bon, ben voyons voir ça. Il fait plus sombre. Ouais, d'accord. Y a pas une lumière quelque part? Ah si, là. Ok. Celle-là, ça ira. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Des jeux. On a internet? Je pense pas. On a des fichiers. Bref, rien d'intéressant. Pas de caméra. Rien. Putain. Oh putain, heureusement que j'ai changé de ça parce que j'entends des bruits là. Je sais pas, ça devait venir de... Putain. Oh putain. Qu'est-ce que je vais en sortir, bordel. Putain de merde. Ok, putain de merde, la lampe torche, c'est vrai. Par pas semblant torche. Okay. Non, ferme pas la porte. C'est pas possible. Ok. Ça va. Peut-être quelque chose dans la mort. Ok. Doucement. Doucement. Putain de cauchemar, merde. Putain. C'est quoi ça, fuck? L'ordi s'est éteint. Ouais. Non, ouais mais non. C'est quoi ça, fuck? C'est quoi ce bordel? Putain, mais c'est quoi ce bordel avec les câbles? Non, non, non. Oh non! Oh non! Non, on va pas commencer, merde! Non, 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 non! Putain! Ok, c'est bon. Et encore des habits. Putain. C'est pas possible. C'est pas possible, merde. Merde. Merde, 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 merde. C'est pas possible. Ça va mieux. On crevait de chaud tout à l'heure.
Putain, c'est quoi ce bruit? Putain, on ouvre un peu plus sa fenêtre. Comme ça. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ok, on va se calmer, on ne panique pas, on ne panique pas, on ne panique pas, on ne panique pas. Il y a vraiment quelque chose. Putain. Ah merde. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. C'est bon, y'a rien, 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 y'a rien. Merde. Merde la clé. Oh merde. Merde la clé, j'ai fait tomber. J'ai fait tomber la clé. Juste vérifier un truc avec tous ces bruits. Oh putain. Qui est toujours là, mon avis, non, mais s'il est toujours, je pète un câble. Okay. Mais non, il est plus là, évidemment. Je vois pas trop qui se casse en bas, j'arrive pas avec la lampe torche. La gouttière, et puis en bas, plus rien. Le courant. On va quand même pas. Oh là là. Nom de Dieu. Ça marche. Ah bah tiens. Quand on parle du loup. Après l'orage, la pluie. De toute façon, ça se doutait. Je m'en doutais qu'il allait pleuvoir. Non. Putain. Je suis censé aller arrêter d'halluciner. C'est vraiment pas normal. S'ils m'ont changé de ça, c'est qu'elle avait un problème. Ça servira à rien si cette salle aussi aurait un problème. Merde. Quelle est l'utilité dans ce cas-là? C'est vraiment pas normal. Là, il y a un truc qui me dépasse. Oh putain. Oh putain. Oh putain de bordel de merde. Oh merde. Ok. J'ai de la flashlight de toute façon. Ah. Je crois que c'est bien le patron de la pizzeria. Ouais. Demain, c'est vrai, c'est le grand jour. Alors, il économise de l'énergie. Putain, j'ai entendu un bruit bizarre. Oh putain de merde. Putain de merde. Putain. Putain. Oh putain.
qui a ouvert la fenêtre? Et qu'est-ce que... Encore un bruit. Ça venait de la door. Merde. Bon. Je vais pas m'emmerder, moi. Comme ça, c'est réglé. Voilà, ça déjà c'est plus mon problème, la fenêtre c'est réglé. Je crois que je suis crevé. Je crois qu'il faut que je dorme un peu. Bon, au final, je m'en serais sorti vivant. J'arrive tout de même pas à croire que je suis vivant. Oh non, pas encore! Putain! Oh la vache. Oh merde, j'ai plus de batterie! Thank you.
Bonjour, enchanté. Vous êtes? Ah, moi je suis commissaire. Et vous? Moi je suis fonctionnaire. C'est par là. Ah, bien sûr, on se sert les sources. Et donc, le taux de criminalité? Oui, le taux de criminalité est en pleine hausse. Et puis... Ah, bonjour. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur le commissaire, permettez-moi de vous présenter mon coéquipier qui me suit dans cette affaire, John Myers. Bonjour, monsieur le commissaire. Enchanté, monsieur Myers. Du coup, nous attendons vos instructions. Bien. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bon, du coup, vous avez trouvé quelque chose? Non, vraiment rien. Rien, vraiment? Oui, et je pense que nous allons arrêter notre enquête. Nous n'avons pas assez de preuves pour continuer. Et connaissant monsieur, je sais qu'il pourra corrompre les avocats. Je sais qu'il en est capable. Je vous remercie d'avoir autant investi dans cette enquête. Je suis dans le malheur de vous dire que ça va s'arrêter comme ça. Mais enfin, je vous en prie. Je n'ai fait que mon travail. Enfin, j'ai essayé. Oui. Sinon, vous pouvez profiter du fait. Et vous, restez là. J'aurai à vous parler 2 minutes. Très bien. Vous savez, il y a quelques années de cela, j'avais un ami d'enfance. On travaillait ensemble depuis 10 ans. Cet homme s'appelait Georges. Un jour, je n'étais pas de service. Il m'a remplacé sur un interrogatoire. Interrogatoire où vous s'étiez auditionné. On l'a retrouvé mort 1 semaine plus tard. Sa mort m'a bouleversé. C'était un bon. Et vous? Vous disparaissez comme par hasard, quelques jours après sa disparition. Ensuite, le restaurant a été clos. Et cette affaire avec, je n'ai jamais compris pourquoi. Vous m'inculpez de... Non. Non, je ne tue pas un criminel qui se cache derrière son statut d'officier. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vu. Je ne l'ai pas tué. C'est son imprudence qui a forgé son triste sort. Vous vous foutez de moi? Vous allez me dire que c'était un accident? J'ai vu son cadavre! J'ai vu son cadavre. Je l'ai prévenu. J'ai essayé de le prévenir. Mais rien à faire. Il tenait droit, sa bonne vieille logique. Quoi? Maintenant, excusez-moi. Mais je dois y aller. Au revoir. Arrête. Non, laissez-le tourner en rond encore un peu, jusqu'à ce que l'attraction. Après, on s'occupera de lui.